comment. Lave le pot. De l'éducation nationale, mesdames les maires, madame la directrice, mesdames, messieurs les enseignants et l'ensemble de l'équipe éducative, mesdames, messieurs les parents d'élèves, mesdames, messieurs. Un an après l'inauguration de l'école publique intercommunale Pablo Picasso, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une cérémonie un peu particulière, celle du pavoisement. Cela signifie que nous allons orner la façade de l'école avec la devise républicaine. C'est un moment important et hautement symbolique. Il est aussi empreint d'une certaine émotion pour nous tous. L'école a pour mission d'incarner, de faire vivre et de transmettre aux élèves les principes et les valeurs de la République. Elle mobilise pour cela l'ensemble des personnels, des temps scolaires et des activités éducatives. Son projet repose sur la double ambition d'émancipation intellectuelle des élèves par le savoir et la culture, et de construction d'un projet démocratique fondé sur des communs compris, partagés et respectés par tous. Les enfants, avant d'inaugurer cette plaque, laissez-moi vous en dire quelques mots. Elle est composée de l'emblème national. Donc l'emblème national, c'est le drapeau tricolore. Bleu, blanc, rouge. Ces couleurs, vous les voyez pendant les matchs de foot, hein? Dans les mairies et maintenant sur la façade de votre école, elle y sera. Ce sont les couleurs du drapeau français. Le blanc, c'était la couleur du roi. Le bleu et le rouge étaient la couleur de la ville de Paris. Imaginez pendant la Révolution française en 1789. C'est un petit peu d'histoire. L'alliance des trois couleurs était donc le symbole de l'alliance du roi et du peuple. Et aujourd'hui, elle reste le symbole d'une France unie. Ensuite, liberté, égalité, fraternité. Vous le savez, c'est la devise républicaine. Elle orne les bâtiments publics. Choisie en 1848 sous la Deuxième République, elle s'inspire des principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En effet, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 déclare que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, principe à valeur constitutionnelle.